dites-lui bien au cavalier que quand il se retourne, il va attaquer. Oui. Ok. Donc il se retournera, il se retournera au 1000. Ok. Comme ça, il vient à gauche. Je me retournerai pas avant. De toute façon, je fais mon pas. On a beaucoup de confiance en moi, en tout cas dans le team, et je pense que c'est ce qui est le plus important. J'ai un peu carte blanche avec le cheval, et j'espère qu'en tout cas, voilà, il va monter beaucoup en condition et qu'il sera au top pour cette grande épreuve. Et si c'est le cas, si tout se passe bien dans le parcours, je pense qu'il va être très compétitif. Aujourd'hui, le cheval est dans un autre contexte, il est plus chez lui, il a voyagé, mais je pense que comme il est assez facile mentalement, je pense qu'il devrait bien s'adapter et à la façon d'entraîner à Chantilly, et aussi aux façons dont vont se dérouler les courses en France. Aujourd'hui, le galop s'est très bien déroulé, on était un peu plus vite que la semaine dernière. Et puis le cheval est vraiment venu très facilement sur ses leaders. Et pour finir, il était un petit peu regardant parce qu'il y avait beaucoup de caméras et de photographes sur le bord de la piste. Donc il était un peu sur l'œil, mais finalement j'ai bien aimé la façon dont il se déplaçait pour finir. Il s'est bien détaché et c'est un cheval qui se comporte bien, en plus sur un terrain qui était assez souple, ce qui est quand même rassurant dans le sens où souvent on peut se retrouver à Longchamp avec des pistes un peu souples pour le prix de l'Arc de Triomphe. We go quicker than last time. A little bit quicker. I'm hot. No, he go good pace, but the rider, he come very early. Yeah, I see. Yeah, he come 500. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Thank you.